Alors, oui, effectivement, j'ai été nommé par Hollande pour les relations africaines à ses côtés. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce domaine-là, nous n'aurons pas de questions taboues. Tout va être déballé, tout va être débattu. Tout, on va regarder tout, c'est-à-dire on va regarder l'histoire de l'impératif démocratique, comment on pense aider les peuples, prendre même un petit peu d'avance, anticiper pour que les peuples puissent accéder librement à la démocratie. Il y aura le problème des bases militaires que nous allons débattre. Nous ne disons pas qu'il faut supprimer toutes les bases, nous disons que, en tout cas, en accord avec les pays, il faut que les bases servent, par exemple, à la formation des militaires, par exemple, à la sécurité totale sur le Sahel et sur l'océan Indien, sur tout ce qui est le problème de la formation, de l'aide au développement. Tous ces problèmes-là seront vus sous un angle nouveau, sous le co-développement et sous le respect mutuel. Nous ne dicterons rien à personne, mais nous regarderons tout ça avec beaucoup d'humanité et de sérénité.